Thank you. Ludivine, et je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne, c'est super cool. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Paulette Petite Pomme où je parle de tout et de rien. Hashtag la vraie vie, euh, mais également sur Ravelry avec comme pseudo euh, Paulette Pomme. Voilà, et euh, bah je serai ravie de partager avec vous mes fiches Ravelry qui sont à jour, il me semble, j'espère ne pas être en retard. Euh, il y a des fiches que je n'ai pas encore créées, mais c'est pareil. Comme ce sont des cadeaux pour Noël, j'avoue ne pas avoir tout mis. Euh, J'ose pas les montrer sur les réseaux non plus, parce que je ne veux pas euh, gâcher la surprise du cadeau de, de Noël. Donc euh, voilà, hormis Insta où je ne suis pas à jour sur mes cadeaux de Noël, ni Ravelry, le reste, on est OK. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi, euh, lundi, lundi 18 décembre. Euh, j'ai deux, trois petites choses à vous montrer. Des petites avancées, pas grand-chose en termes de tricot. Euh, parce que bah, la semaine dernière, j'ai pas mal bossé au travail. Euh, j'ai donc eu... Pas énormément de temps pour moi, et cette semaine c'est un peu la même chose. Donc euh, je vous montre quand même l'avancée de mes tricots qui avancent quand même, et surtout deux autres projets que je vais bientôt castonner. Euh, D'ailleurs, j'espère castonner euh, mon prochain projet parce que là j'ai besoin de nouveautés. Euh, je suis toujours avec euh, mes, mes ouvrages. Alors mes cadeaux de Noël sont terminés, certes, mais euh, j'aimerais commencer autre chose. Donc je vous montre tout de suite où j'en suis. Lui, ce projet-là, je ne vous l'avais pas montré euh, sur le dernier vlog, je crois, ou très peu en tous les cas. Mais je voulais vous montrer. C'est l'avancée de mon pull calisson. J'espère un jour vous le montrer fini, car clairement j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est, euh, c'est pas évident. Donc mon pull calisson, je vous l'avais montré. Le corps était terminé. J'avais aussi fait le col. Donc euh, voilà, hein, j'ai quand même bien avancé. Je vous avais même dit que le col, je n'avais pas fait un icord, mais des côtes, voilà, parce que cord, euh, voilà, je n'avais pas envie de faire un high cord, clairement. Je voulais un, un col plutôt resserré. On est quand même sur euh, un tricot, euh, un tricot d'automne, hein, mais on va arriver en hiver. C'est pour ça, j'ai vraiment envie de le terminer parce que j'ai envie de, bah, j'ai envie de le porter, quoi. Et euh, On va arriver en hiver et je vais avoir envie de tricoter des pulls un peu fluffy comme celui-ci. Celui-ci c'est le pull nacre d'atelier Emily. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Bon, vous le connaissez. Hein, euh, j'ai pas énormément de pulls euh, à mon actif encore, mais celui-là c'est le pull atelier Emily que je tricote, que j'ai tricoté en kit silk de Drops et en or de Drops. Et euh, c'est vrai que c'est c'est un super pull hein, euh, très poilu comme on peut le voir. D'ailleurs, mon prochain projet, j'en reparle tout à l'heure, mais ce sera avec cette qualité de laine-là, donc ça va être génial. Donc voilà, j'ai plutôt envie de tricoter des pulls comme ça maintenant plutôt que des pulls d'automne. Celui-ci, je l'ai tricoté en Baby Merino de Drops. Euh, je ne sais pas si je vous en avais parlé, euh, mais c'est vrai que ce pull. Euh, comment vous dire J'ai été un petit peu déçue quant à la qualité euh, de la laine. Alors, j'ai dû tomber sur un mauvais lot. Voilà, on va dire ça comme ça parce que j'ai jamais eu de soucis ou quoi et que euh, mon amie euh, Anso de la chaîne Tac Tricot Couture a tricoté le même que moi comme pull le calisson de l'a fée en baby merino également, mais elle a eu aucun souci avec sa laine. Moi clairement j'ai eu des petites, euh, des petites déconvenues. Bon, c'est pas grave, mais je trouve que ça se voit beaucoup parce que c'est une laine quand même qui est bien ronde. Qui est régulière et quand vous tricotez, ça vous fait une une régularité de dingue en fait. Je ne sais pas si je suis claire quand je vous dis ça, mais on n'est pas sur une laine hyper poilue. Donc en fait, effectivement, dès qu'il y a des petits défauts, clairement, ça se voit. Alors euh, là, je ne vais pas pouvoir vous montrer. En plus, on peut dire que la luminosité en ce moment n'est pas terrible. Euh, bon, là, ça va. Mais si vous voulez, au milieu des pelotes, parfois, j'avais des nœuds. Voilà, j'avais deux fils qui étaient euh, noués ensemble afin de, euh, bah voilà, de, de créer une pelote. Bon bah forcément quand vous faites des choses comme ça, vous vous retrouvez après avec des... Voilà, vous voyez là en plein milieu. Hop, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais là, en plein milieu, du coup, ça vous fait un, un truc pas super net au milieu de, de votre ouvrage. Euh, du coup bah voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça et ça s'est produit quand même euh, quelques fois dans mon pull. Donc euh, bon, je suis un petit peu sur la réserve du coup et euh, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de retricoter avec cette qualité là à moins que je la mélange à de la kit Silk pour un pro... pour un autre projet, pourquoi pas à la rigueur. Ou euh, peut-être que cela euh, permettra de cacher un peu les bah, les petites choses disgracieuses comme ça bon ce pull là j'ai aussi fait une boulette à un moment donné je vous le répète hein, j'avais un petit peu perdu mes mailles j'ai rattrapé comme j'ai pu parce que je m'en suis rendu compte bien plus tard et je sais pas ce que j'ai fait c'est parti en cacahuète générale bref donc voilà c'est pas le voilà c'est pas la régularité enfin voilà je l'aime beaucoup parce que la dentelle derrière elle est magnifique mais voilà, on n'est pas sur un ouvrage comme j'aurais aimé. Voilà. Mais en tout cas, le pull est top. Hein. Le design est génial. Vous voyez, là, il y a ma petite dentelle, mes petites nopes. Ça, je suis vraiment ravie. Mon avancée, c'est donc la manche. Voilà, voilà. Alors, la manche que je tricote en magic loop, on adore. Hashtag jironise. Euh, J'ai horreur de faire du magic loop j'aime pas ça euh, mais je n'ai pas encore les aiguilles euh, les mini circulaires vous savez en 30 cm pour faire les manches Il faut vraiment que j'investisse bon ben, je suis comme tout le monde c'est Noël alors j'ai Suzy qui mange son os hein, à côté euh, c'est ça les petits bruits euh, de crocs <laughs> euh, donc du coup oui voilà euh, c'est Noël donc euh, clairement je vais pas investir tout de suite dans ma paire d'aiguilles je vais attendre euh, je vais attendre un petit peu mais c'est prévu mais bon, j'ai pas envie d'attendre, quoi. Mon pull, faut qu il faut qu'il se fasse, donc tant pis, je fais du magic loop, et puis bon, bah voilà quoi. Je, je m'organise quand même comme ça. Donc voilà, voilà, on avance un peu sur la manche. Mon objectif, ça serait cette semaine de terminer la manche gauche. Voilà, ça serait l'objectif. Parce que j'ai envie de commencer rapidement l'autre, et, euh... et de terminer ce pull, quoi. Clairement, clairement, clairement. Euh, la dernière fois que j'ai que vlogué, j'avais mis un petit progress Keeper de chez Atelier Calixen, qui est très mignon comme tout. Et en fait, au week-end, eh ben j'ai travaillé ce week-end, mais euh, voilà, j'ai quand même réussi à faire tout ça. Donc ça, c'est super cool. J'ai quand même avancé. Les manches, ça va quand même... Bon, vite, même, bon, on est sur du Magic Loop. J'imagine que sans Magic Loop, j'irai encore plus vite, mais là clairement, on n'est quand même pas trop trop mal. Faut pas que je me plaigne. Finalement, c'est que du jersey, donc euh, c'est rapide. Hormis le fait de bouger les aiguilles à chaque fois pour remettre dans le bon sens, il n'y a que ça. Sinon, j'ai pas à réfléchir autrement. Donc ça va, c'est plutôt cool. Donc voilà, voilà, j'ai quand même très très bien avancé. Donc là, je vais pouvoir bouger mon Progress Keeper et euh, bah, vous remontrer euh, ma prochaine avancée. Donc voilà pour le pull calisson. J'aimerais vraiment avancer euh, plus vite que ça, mais bon voilà, hein, euh, c'est pas toujours évident. Je peux pas avancer toujours comme je veux, voilà. Euh, maman active avec deux enfants, bon ben voilà quoi. Même si mes enfants sont grands, ben ils ont quand même parfois besoin de moi et voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour le pour le projet qui se termine. Cependant, ça se termine. Je reste positive. Ensuite, projet numéro 2. Alors, je vous en avais parlé également. Ce sont les chaussettes Foxy's Days Out Socks de Stuttnitz. Voilà les petits renards. Et ce matin, jour de repos oblige, je me suis dit allez, hop, je me fais la dernière section de sapin. Comme ça, hop, c'est bon. Et impeccable, j'ai réussi à avancer euh, sur la chaussette. Donc, j'ai fait la dernière section de sapin. Je m'étais arrêtée au renard la dernière fois. Alors, je ne sais pas si vous les trouvez jolies, mais en tout cas, moi, j'adore. Je suis fan, fan, fan. Voilà, donc franchement, je suis euh, super contente. Les chaussettes, je les tricote en laine Bergère de France pour ce coloris-là, de la laine euh, Calinou, coloris limonade. Le vert foncé, on est sur de la bergère de France également, la gamme Calinou. et c'est le coloris cobalt. Les voilà. Parfait. Et le petit renard, il est tricoté en laine placard, la gamme Sweetie. Euh, et c'est top. Donc, non, franchement, impeccable. C'est la première fois que je tricote une chaussette en jacquard avec trois couleurs. Donc ça demande un petit peu d'organisation quand même. Parce que. Ce matin par exemple j'ai dû tout couper à un moment donné j'avais trop de nœuds donc c'était pas gérable et euh, bah comme j'ai pas trop de patience autant vous dire que bah, j'ai tout coupé <laughs> et je reprendrai après je rentrerai mes laines, il n'y a pas de souci mais en tout cas je m'y suis mieux retrouvée c'était beaucoup plus fluide après donc impeccable j'ai bien fait je ne regrette pas donc voilà les petits renards sont faits le... les petits sapins également donc ça c'est cool ça avance et maintenant, je vais, il me reste encore quelques centimètres à faire. Et en fait, tout simplement, j'alterne cette couleur euh, principale en fond et une maille de temps à autre de cette couleur là et de cette couleur-là. Donc ça va faire un point par-ci par-là de. un point jersey, quoi, si vous voulez. Donc ça va faire comme des, des pointillés, en fait. Donc voilà, le plus gros du jacquard est fait. Donc ça c'est chouette. Euh, je vais peut-être essayer aujourd'hui d'avancer aussi un petit peu là-dessus. Je ne sais pas, je vais voir. Un coup je prends les chaussettes, un coup je reprends le calisson, j'essaye d'alterner pour essayer d'avancer un maximum mes projets. Donc voilà, Donc, c'est plutôt cool parce que finalement en termes de, de gros jacquard j'ai que ça. Je vous l'avais dit la dernière fois, euh, je pense racheter une paire de mini circulaires à chaussettes également pour pouvoir tricoter les deux chaussettes en même temps. Parce que franchement, euh, c'est l'eau demoiselle qui en reparle. Lauriane en reparle dans son, dans son vlog. Euh, elle fait les, les deux et franchement, euh, elle tricote une section. Bon, je crois qu'elle fait 12, mailles, 12 rangs par jour et le jour suivant elle refait 12 mailles et du coup les chaussettes avancent en même temps je trouve l'idée géniale si elle fait le talon une journée elle refait le talon le lendemain de la deuxième chaussette ça permet d'avoir la paire de chaussettes en même temps et franchement je trouve ça génial parce que moi quand j'en ai tricoté une parfois j'ai une flemmingite aiguë de refaire la deuxième je sais pas pourquoi parce qu'en plus j'ai pris plaisir à faire la première quoi mais je pense que le fait de connaître euh, le jacquard, d'avoir vu le dessin évoluer, bah du coup je me dis oui bon bah je connais déjà comment ça se passe, je sais pas, en tout cas bon. Donc voilà l'objectif de 2024, ce sera de tricoter mes chaussettes de cette façon afin de, de, de les avoir en même temps et d'en profiter plus vite. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes Foxy's Days Day Out socks de stunt Knits. Euh, que vous pouvez retrouver sur Avery. Je vous mets les liens euh, en dessous de la vidéo. Vous les retrouvez aussi sur le vlog précédent. Voilà. Euh, ça, ces chaussettes-ci, ce sont pas pour moi. C'est pour un, une copine. C'est pour une amie même. Une amie qui m'a rendu bien service. Et du coup, je vais lui offrir ce petit modèle. J'ai hâte de voir sa tête quand je vais lui offrir. C'est chouette. Donc voilà pour les projets du moment. Aujourd'hui, je vais donc échantillonner mon prochain projet. Le prochain projet, c'est le pull Morgane d'atelier Émilie. Euh, c'est donc un gilet. Je n'ai pas encore tricoté de gilet. Donc, euh, j'ai hâte de m'y mettre. Bon, je sais, hein, ça, ça, ça va peut-être être un peu long parce qu'on va tricoter en... Dans les deux sens, hein, euh, c'est pas du Alors, je vais le tricoter en circulaire, mais euh, voilà, ça reste un gilet, donc euh, voilà, ce sera euh, en aller-retour. Euh, J'ai décidé de le tricoter, je vous montre ça tout de suite, en laine de chez Drops, en qualité Kit Silk et en qualité Nord. Voilà, donc la même qualité que ce pull là. Euh, écoutez que j'adore, j'ai vraiment super chaud avec ce pull. Je le porte, je le porte et je le re-reporte. Je crois que c'est mon pull doudou fétiche, vraiment parce que euh, il est trop bien quoi. Dehors il fait vraiment très très froid, je peux vous garantir qu'avec ce pull là, mais je suis trop trop bien. Donc je pense que même que je vais peut-être m'en refaire un autre. Hum, c'est fort probable. Euh, toujours dans cette qualité là parce que les deux associés, je suis mais grave fan. Alors l'Alpaga l'Alpaga la, je crois de chez Drops, elle est pas mal aussi apparemment. Euh, donc bah écoutez, je, je verrai bien, je, je, je vais voir, je testerai peut-être. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on a à peu près les bonnes couleurs au retour caméra. C'est un beige, un beige clair. Voilà. Donc c'est le coloris 07, celui-ci. C'est de la mix de chez Drops. Alors ça j'aime bien parce qu'il y a comme un petit côté un peu chiné. Donc, ça, je trouve ça vraiment chouette. Et la kit silk, c'est le coloris 54. Voilà. Donc, la kit silk, c'est top. Maintenant, au départ, elle me gratouillait un peu, j'avoue. Et puis, finalement, ma peau s'y habituait. Donc, là, maintenant, il n'y a même plus de grattage. Il n'y a rien du tout. C'est parfait. C'est top. C'est super chaud. La combinaison de, des deux est géniale. Bref, je suis ravie. Donc, tantôt, j'échantillonne. Euh, parce que je voudrais être sûre au moins qu'on euh, est OK au niveau euh, des aiguilles et de la laine, le pull Morgane d'Atelier Émilie, et en plus, euh, c'est un point que je ne connais pas, je crois que c'est en côte, ang côte anglaise, demi côte anglaise ou côte anglaise, je ne sais plus, je n'ai jamais tricoté, donc ça va me permettre aussi d'acquérir un peu le point. Et puis ça va changer. Donc voilà, voilà. Bon, d'après ce que m'avait dit mon ami Anso, qui est en train de le faire, il est un peu long, mais bon, bah écoutez, il hein, n'y a pas de raison que. Je vais donc euh, m'y atteler très très vite. Voilà. Autre projet que j'ai envie de me faire. Alors, je pense que je vais le commencer euh, après les fêtes de Noël. Je pense, parce que j'ai pas... Je vais voir, mais je pense que oui, ça fait beaucoup de choses. Je vous dis, j'ai pas mal de boulot. Euh, j'ai récupéré le noir d'une amie qui me le prête de temps en temps. Euh, et en fait, j'ai idée de me tricoter le pull. Euh, le pull. N'importe quoi. Le châle Iris de Odilknit que j'ai découvert grâce à Mélanie. Salut Mélanie, si tu passes par là, je sais que tu... Que tu es passé la dernière fois, donc euh, je te fais des gros bisous. Mélanie du vlog, enfin de, de la chaîne YouTube Des aiguilles aventurières, et je l'ai connue également avec Loriane de L'eau demoiselle qui ont testé en fait pour Odil Knit le châle Iris, et donc j'ai bien idée de le tricoter avec mon écheveau de chez Vava Tricot euh, connu sur le site Bubble on the Farm que j'ai eu, ça c'est le coloris de décembre. Voilà. Euh, de l'Alpaga Sock. On est sur du 40% Super Wash merinos 20% Alpaga et 20% nylon. 100 grammes pour 400 mètres. On est sur un beau bleu. Euh, ça va être sympa. Et du coup, j'étais en train de me dire avec quoi je vais l'assembler. Avec quel coloris je peux assembler. Parce qu'on n'est pas sur une laine avec des speckles. Ou euh, voilà. Il y a quelques nuances un peu différentes. On voit légèrement là mais c'est pas foufou mais je pense qu'il y a quelques nuances quand même dans la laine donc ça peut être sympa mais alors c'est d'une douceur c'est pour ça que je pense qu'un châle ça serait parfait et vraiment le châle iris c'est top et dans mon stache j'ai vu qu'il me restait euh, cette laine de Garance et Compagnie c'est de la merino Tancel coloris Joséphine qui me reste de mon top baigneuse que j'ai fait il y a un an et demi donc, je pense que ça pourrait être sympa de faire ça en coloris principal et ça pour euh, le contrastant. Le patron préconise un écheveau de 100 grammes et un petit, petit euh, écheveau à côté. Là, je pense que j'ai bien assez. Donc, voilà. Alors, on est sur un rose et un, un rose très pâle. Hein. Euh, un rose pâle et un bleu. Je sais pas. J'hésite. J'avais envie de le finir aussi, celui-là. En plus, il est très doux, j'aime beaucoup. Je suis en train de réfléchir. Hein. Associer les couleurs, ce n'est pas évident. Je sais pas, j'hésite. On est quand même sur une couleur froide et une couleur un peu plus neutre. Donc, je ne sais pas, vous en pensez quoi, vous Allez, dites-moi en commentaire, tiens. Parce que je pense que ce sera un projet que je commencerai qu'en janvier. Donc, redites-moi, qu'est-ce que vous en pensez J'attends vos réponses. <laughs> Ou un blanc je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous laisse me redire ce que vous en pensez. Donc voilà pour les projets. Donc je suis trop contente. Je, je vais pouvoir faire, faire tout ça. En plus, les châles, c'est pas ce que j'ai le plus. Hein. Clairement, j'en ai un que j'avais fait, je vous avais montré sur l'avant-dernier vlog. Un tout simple, euh, qui est bien chaud aussi, mais voilà, j'ai envie de changer de temps en temps. C'est quand même plus. C'est quand même cool. J'ai envie de me tricoter plein de châles également. Donc voilà pour les projets. ce petit vlog on est le 23 aujourd'hui le 23 décembre noël est on ne peut plus proche euh, mais j'ai quand même malgré mon timing hyper serré au niveau du travail euh, j'ai réussi quand même à faire euh, à avancer en tout cas des projets et surtout à castonner le nouveau projet allez c'est parti je vous montre tout de suite euh, on va commencer par le nouveau projet que j'ai castonné donc j'ai commencé ça euh, lundi, lundi je crois, lundi ou mardi, j'ai castonné l'échantillon lundi et j'ai commencé je crois mardi, il me semble. Donc voilà ce que ça donne, mon échantillon est nickel. On est sur euh, un gilet. Demi-côte anglaise, donc franchement, je suis ravie du résultat. Je ne connaissais pas du tout euh, ce point, et franchement, euh, c'est trop, trop, trop chouette. Euh, je le tricote comme je vous l'ai montré la dernière fois en laine drops, en or et en kit silk. Euh, c'est un coloris beige. Il est vraiment euh, top, top, top. Le poilu rend vraiment super bien. Je sais pas si on voit. Ah, ouais, là on voit. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Vraiment, je suis ravie. Et je vous montre car je l'ai imprimé, je me fais le gilet Morgane d'atelier Émilie. Donc ça c'est vraiment chouette, je suis vraiment ravie. Euh, il est plutôt cool à tricoter, je trouve. Euh, je pense cependant qu'il va être long parce qu'on est sur des demi-côtes anglaises, donc c'est une maille endroit, une maille envers, et sur l'envers de l'ouvrage, on tricote toutes les, tout le rang à l'envers. C'est pas ce que je préfère, mais écoutez, quand je vois le rendu, bah moi j'aime bien. Donc je suis contente. Du coup, j'ai castonné le lendemain, je crois. Hop. Et nous voici avec euh, le dos. Donc euh, ça, on commence par, euh, par le dos. Et on commence avec des rangs raccourcis. Donc euh, là, on a le milieu du dos. Et ça, c'est le côté euh, bah, gauche. Côté gauche. Donc j'ai fini le côté gauche et là je vais dé j'ai démarré le côté droit. Donc euh, je sais pas trop ce que ça va donner euh, au final, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. On est vraiment sur quelque chose, ça va être un gilet doudou. Clairement, on va être sur un gilet doudou, un gilet tout moelleux. Oh, J'adore un gilet bien chaud, je pense également. Donc euh, on est vraiment sur euh, on est vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant. Je suis vraiment très très contente parce que euh, et ben ces deux laines là, je les avais euh, tricotées avec euh, et ben avec un patron d'atelier Émilie. Le pull nacre, que je porte régulièrement. D'ailleurs, vous le voyez la dernière fois, il me semble que c'est celui que je porte. Je me rappelle plus. Euh, et il est hyper chaud. C'est le gilet que je porte quand les températures sont vraiment euh, froides. Et il est top top top. Et là, je me dis que ce gilet là et eh bien ça va être chouette aussi donc euh, j'ai hâte de le voir se monter en tout cas j'ai adoré faire euh, faire ce petit coin euh, en raccourci on est vraiment sur un sur un moelleux mais euh, impressionnant quoi je tricote en 4 en aiguille 4 et euh, bah écoutez ma foi euh, c'est impeccable donc là je pense que je vais essayer de continuer un petit peu alors là évidemment il y a Noël donc euh, il y a Noël il euh, y a les fêtes, donc ça va être peut-être un petit peu plus compliqué de tricoter. Mais bon, si déjà je pouvais terminer euh, cette semaine euh, le côté rang raccourci euh, de droite, et eh ben ça serait chouette. Donc euh, voilà, je, je vais voir parce que voilà là j'ai une petite semaine de repos, ouf. Et euh, ben, moi je travaille le 30, 31 premier. Et oui, je suis soignante, donc euh, une année sur deux, ben on change les fêtes. On change de fête et l'année dernière j'ai fait Noël, donc euh, cette année je fais, je fais le nouvel an. Donc là j'ai une petite semaine. Euh, je compte bien profiter quand même un peu de mon tricot et surtout de me reposer parce qu'en ce moment c'est un petit peu trépidant. Donc voilà pour le nouveau projet, le nouveau caston. Je suis juste trop 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 contente. Euh, je vais pas vous montrer les chaussettes parce que je ne les ai pas poursuivies. Donc peut-être que pareil, je vais peut-être les faire, je vais peut-être alterner les deux. J'ai surtout continué mon calisson parce que lui vraiment je n'en peux plus, on va être honnête, je n'en peux plus. Donc depuis que je suis venue vous voir, j'avais changé mon marqueur, mon progress keeper de place. Voilà, j'ai encore refait tout ça. Franchement, j'avance, hein, vraiment j'avance. La seule chose c'est que voilà, hein, je vous le répète, on est en Magic Loop et euh, pff, je supporte plus le Magic Loop, c'est horrible. Il euh, faut vraiment que je, que je me paye une paire d'aiguilles de mini circulaire, mais euh, comment dire, euh, pour les manches, quoi, parce que là, c'est plus possible, c'est trop, trop, trop pénible. Si je serre trop la dernière maille, j'arrive plus à passer au niveau de la jonction, du câble et de l'aiguille. Enfin, j'en ai marre. <laughs> je crois que là, vous l'avez compris. Mais bon, j'ai quand même bien avancé. J'avais fait à peu près la même chose la dernière fois, donc euh, non, non. Si. On veut se rendre compte un petit peu, hop, voilà. Vous voyez un petit peu, ça avance quand même. On avance quand même, hein. on est quand même, voilà. Hop là, voilà, voilà. Donc ça avance, mais euh, c'est long quand même. Donc voilà pour le calisson. Donc l'objectif c'était de finir la manche cette semaine. Bon clairement non, pas possible. Euh, trop fatigué en rentrant du travail. Euh, J'ai fait quelques rangs, mais pas, mais pas assez. Hein. Bon, c'est pas grave, il hein. faut que ça reste aussi un plaisir. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas un supplice. Hein. Le tricot, on reste quand même sur une activité, euh, voilà, passion, quelque chose pour se détendre. Voilà, l'objectif, c'est pas de tricoter, tricoter, tricoter euh, et que ça devienne, euh, comment dire, pas un... bah, quelque chose qui, qui, qui fatigue, quoi. Enfin, qui, voilà, je, je veux pas non plus, euh, voilà, je veux que ça reste cool. Et puis, oui, peut-être que je tricote pas, c'est pas très vite, mais voilà, il faut que ça reste un plaisir. Donc, voilà, je ne me prends pas la tête, j'essaye de, de faire euh, eh ben, comme bon me semble et comme je peux, surtout. Euh, la semaine dernière, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai imprimé deux autres patrons que je vous montre sur Avelry. Je les ai eus sur Avellerie. En fait, sur Instagram, j'ai vu passer euh, des petits cadeaux de deux de designeuses et là, j'ai trouvé ça trop, trop cool je me suis dit que ça serait chouette d'en parler ici si vous n'avez pas vu l'info, parce que parfois, avec l'algorithme, on ne voit pas, tous les pas tous les, bah, toutes les, les publications. Et du coup, je trouvais ça vraiment pas mal. Donc, il y a Nadia Crétin, les chaînes SL Knit, qui proposait en cadeau, en remerciement à toutes les tricoteuses d'acheter ses patrons, le châle Carver. Donc, un petit châle bah, qui m'a l'air vraiment super sympa à tricoter. Hop, voilà, je vous le montre. Euh, donc, elle l'offre en cadeau, vous le retrouvez sur Ravelry. Moi, je l'ai téléchargé sur Ravelry, il est dans, mon, dans ma bibliothèque maintenant. Et, euh, et ben, on est vraiment sur un très joli châle en dentelle et en point mousse. Donc euh, ben, je pense que je vais me le faire. C'est un châle, alors je vous le montre, il est gratuit, hein, donc il euh, n'y a aucun souci. C'est un châle qui va avoir la forme de demi-lune, donc je n'ai jamais fait, ça va être sympa. Alors par contre, j'ai regardé un petit peu, effectivement à un moment donné, on se retrouve avec un certain nombre de mailles sur les aiguilles, j'ai jamais fait. Bon bah écoutez, on va tester, hein. j'ai pas de châle, enfin si j'en ai un, mais j'aimerais m'en faire d'autres, donc ça serait cool de, de s'y mettre. En termes terme d'échevaux, il en faut deux. Voilà, il faut, des, il faut deux échevaux. Donc ça va, c'est pas un châle trop gourmand. Donc euh, j'ai vraiment envie d'essayer. J'avais envie de faire deux échevaux de couleurs différentes, hein, parce qu'on a une partie euh, donc mousse et une partie dentelle. Donc je m'étais dit que l'alternance des deux, ça pourrait être sympa. Donc voilà, peut-être euh, un châle pour le printemps, pourquoi pas, ce serait peut-être pas mal. Voilà, je réfléchis parce que j'ai d'abord le châle Iris. En, en projet, hein, je le vois passer partout, Dodil J'ai vraiment envie d'essayer, surtout que j'ai un écheveau déjà à la pour. Il me reste, euh, il me reste le fameux mini, d'ailleurs. Euh, comme je vous disais la dernière fois, j'attends vos commentaires pour voir si vous trouvez le combo sympa. Donc voilà, dans un premier temps, le premier euh, patron que je me suis imprimé de Henselt Knits, le Carver. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Merci à Nadia de, de nous offrir des patrons. C'est vraiment trop, trop cool et enfin j'ai vu passer également un autre patron gratuit offert par euh, Yarnflex Audrey Borrego Design, le châle Mara. Donc pareil, c'est un châle, euh, un châle qui, qui a plutôt une forme, on va dire, euh, en forme de pointe. Euh, avec des ajourés, hein, des, des jetés probablement, j'ai pas regardé euh, de plus près, mais avec des ajourés et des mailles texturées, je crois, des points texturés. En tout cas, je l'ai trouvé très joli. Donc, je me suis dit que c'est pareil, ça pourrait être sympa. Euh, alors, lui, il faut 400 mètres. ouais il faut pas beaucoup de laine non plus. Hein. Euh, 200. ouais il va falloir un écheveau, quoi. C'est un châle à un écheveau, je pense. Si Je ne me trompe pas, donc voilà. Vous, c'est un petit châle triangle tricoté de pointe à pointe. Donc voilà, euh, bordure et rabat high cord également. Augmentation avant-arrière, diminution simple, jeté, diminution double centrale. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose de super sympa. Vous avez un diagramme. Voilà, tout est expliqué. Je l'ai trouvé également sur Avelry. Donc, il est gratuit également, hein. c'est pour ça que je vous en parle facilement. Sinon, je ne le ferai pas. Vous avez donc euh, bah, les diagrammes. Hein. Tout est dans tout est dans le patron. Écoutez, je pense que voilà, lui aussi va être euh, sur mes aiguilles euh, dans peu de temps, j'espère. Euh, voilà, je trouve ça vraiment super sympa ces deux designeuses, de nous avoir euh, proposé ces deux designs gratuits de châle. C'est super. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment très Enfin, c'est hyper fun, quoi, parce qu'elles sont. Elles remercient la communauté Tricot, finalement, de, de, de participer à l'achat de leurs patrons, qui sont toujours tous, mais plus beaux les uns que les autres. Et du coup, c'est vraiment hyper généreux de, de nous offrir de temps en temps un petit patron comme ça. Je trouve ça génial. Elles ont également fait des réductions, là, en période de Noël. C'était vraiment chouette aussi. Hein. Ça permettait aussi de renouveler le stock de patrons pour pas trop cher. Et vraiment, c'est super cool. Donc voilà, le châle Mara euh, Audrey Borrego Design euh, Yarn Flex et le hop, et Ansel Knits. Donc voilà, moi c'est déjà imprimé, c'est déjà dans le, dans le porte-revue. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Voilà, voilà, en termes de, de tricot, de ce que je peux vous dire euh, actuellement. Le magazine pose devrait arriver très prochainement. J'avais espoir de le recevoir aujourd'hui. Manque de bol, je n'ai rien dans la boîte aux lettres. Mais je l'avais précommandé, le magazine pose numéro 2 de L'Enamouré. Donc, je pense qu'il va arriver la semaine prochaine. Hein. Ils ont eu deux, trois petits trucs, je crois. Hein. Ce, qui a, ce qui a mis du retard dans, dans l'envoi des, des magazines. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je, je serai ravie de le recevoir la semaine prochaine et de feuilleter un petit peu tous ces nouveaux designs également. J'ai entreaperçu deux, trois choses. Ça, ça doit être encore magnifique, je pense. Voilà, voilà pour, euh, bah pour aujourd'hui. Alors, quand est-ce que je vais revenir Je sais pas trop. Demain, ça me paraît un peu juste pour vous montrer euh, ce que j'ai fait en plus parce que voilà, hein, on va être dans la préparation du réveillon, la préparation du jour de Noël. Euh, je sais pas trop, je vais voir quand est-ce que je poste la vidéo. Je pense que je vais vous la poster la semaine prochaine. Je... Voilà, pour que vous l'ayez entre Noël et le 1er janvier. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Euh, bah écoutez, je vous reprends plus tard. mercredi 27 décembre. Euh, il est déjà tard, hein. il est plus de 17h, d'où la lumière plutôt tamisée euh, pour filmer. Je pense que je vais terminer le vlog euh, ici, donc je vous montre un petit peu l'avancée euh, de mes tricots. Je suis d'ailleurs plutôt fière de moi, j'ai bien 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 avancé. Avant tout, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël euh, et que vous avez pu partager euh, de bons moments en famille et que voilà, tout s'est passé euh, pour le mieux euh, pour vous. Voilà. Alors, euh, de mon côté, pour Noël, j'ai été gâtée et j'ai encore été davantage gâtée aujourd'hui parce que j'ai reçu euh, un magazine. Alors, vous allez deviner très rapidement de quoi je parle. J'ai reçu aujourd'hui. Euh, bah écoutez, je vais en parler maintenant, hein, tant qu'on y est, pourquoi pas, euh, puisque c'est du tricot, n'est-ce pas Donc euh, voilà, j'ai reçu aujourd'hui enfin le magazine pose de laine Amourée. Euh, je l'ai commandé. En tout début d'automne, je crois. Fin été, peut-être début d'automne. Je l'avais précommandé et je l'ai reçu aujourd'hui. Euh, je suis vraiment très 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 contente. Dedans, on a vraiment pas mal de patrons. Euh, voilà, hein, c'est un magazine qui... Alors, je pense qu'elle va le sortir deux fois par an. J'avais acheté euh, celui au printemps, qui faisait donc printemps-été. Et celui-ci fait automne-hiver. Les modèles sont vraiment sympas. Vous avez euh, différents designers. Alors, je vais vous montrer quel designer. Eh ben, il y en a plusieurs, hein, vraiment. Alors, attendez, j'essaye je, de trouver où est-ce que j'en ai. Donc, il y a Malora, Malora et Design hein, qui, qui poste euh, un design, notamment euh, cette robe pull. Euh, alors je dis robe pull euh, parce qu'on peut également le faire euh, en pull, en, en la raccourcir et ne faire qu'un pull. Je pense que celui-ci celui je vais me le faire en pull et non pas en robe parce qu'en robe euh, j'ai peur que ça ne maille pas. Euh, on a également des, des, des designs de Caroline Parini Design. Euh, vous avez le gilet euh, de laine amourée, le gilet comme. Euh, elle avait fait le, alors n'était pas le bonnet, le tour de cou, je crois qu'elle a sorti euh, en automne. Là, vous avez vraiment le patron du gilet. Il est vraiment très très beau. Celui-là, j'avais vraiment idée de me le faire aussi. Je le trouvais vraiment super sympa. Euh, vous avez, enfin, vous avez vraiment tout un tas de, de patrons. Hein. C'est vraiment euh, un livre qui est top. Vous avez aussi, entre autres, le châle de même les anges tricote. Euh, un super châle avec des points dentelles, des torsades, euh, du point mousse. Euh, regardez, il est magnifique. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, regardez-moi un petit peu ce, ce beau design. Celui-là aussi, il me plaît. Je pense qu'en plus d'un point de vue technique, on est sur quelque chose d'assez euh, bah, bien pour, pour apprendre plein plein de choses. Donc on est vraiment très bien. Donc voilà, vous avez vraiment une multitude de, de patrons. Euh, voilà, c'est super. Euh, je crois que je sais plus. Je crois qu'il y a des recettes aussi un petit peu. Et puis voilà, vous avez euh, diverses choses, de, des lectures pour l'hiver et pour l'automne, euh, les petites choses qu'on peut faire, des idées cadeaux pour Noël. Bon bah ça, voilà, il est un peu trop tard, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on peut quand même piocher. Des fois qu'on est de la famille qui est un anniversaire en plein hiver, je trouve que ça fait le job. Donc voilà, donc j'ai reçu mon numéro, je suis très très contente. Il va venir rejoindre l'autre numéro et euh, bah, je vais voir ce que je pourrais piocher comme patron dedans. Donc ça c'est vraiment plutôt, plutôt cool. Alors vu qu'on parle de livres, je vais aussi vous montrer les deux livres que j'ai reçus pour Noël, parce que j'ai été quand même gâtée et euh, ma sœur elle a fait euh, poker en me les offrant parce que euh, je suis très très fan de son univers, je vous en ai déjà parlé. Je parle de Caro From Woodland. Ma sœur m'a offert pour Noël le livre de l'automne et le livre Mon hiver cosy et Mon automne cosy. Alors j'avais euh, l'année dernière pour mon anniversaire... Euh, non cette année, cette année, ça y est, je suis déjà partie en 2024. Cette année, je me suis offert pour mon anniversaire Mon printemps cosy. Et déjà, celui-ci, l'année dernière, me faisait euh, beaucoup, enfin, me faisait de l'œil. Et euh, bon, bah voilà, il y a eu d'autres choses à, à faire, d'autres choses à acheter, tout ça. Donc bon. Euh, et là, quand j'ai ouvert mes cadeaux, mmh. mais ma soeur a vu vraiment juste. Euh, ils sont juste trop trop beaux. Donc du coup, eh ben, je suis ravie. Euh, j'ai déjà lu celui-ci. Il est top. Il y a plein de recettes. C'est super chouette. Voilà, vous avez vraiment euh, un petit peu. C'est tout son monde avec euh, de l'aquarelle. Hop, des petites poches sur la nature. Voilà, il est vraiment chouette, chouette, chouette sur Noël. C'est super joli. Hop, je change de décor. Je reviens par ici. Euh, mon homme revient du boulot. Je filme un peu tard, donc forcément c'est pas tellement l'heure la plus adéquate pour filmer, mais c'est le seul moment de la journée où j'ai pu euh, trouver ce temps. Et comme je veux terminer ce vlog aujourd'hui et la poster aujourd'hui sur YouTube. Et eh bien tant pis, c'est pas grave. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Je préférais mon autre décor, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mon Charlie est là. Ben, voilà. <laughs> Donc, je vais vous montrais tout à l'heure les livres que j'ai reçus pour, euh, pour Noël, offerts par ma soeur. Donc, je suis super contente. Donc, vraiment, mon hiver cosy, il est super. Enfin, euh, je l'ai lu hier matin. Je me suis plongée dedans. C'était vraiment euh, chouette, chouette. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce, cet univers. Hein, je vous montrais, euh, c'est vraiment euh, chouette. Et ensuite, euh, eh ben, mon automne cosy, alors je ne l'ai pas encore bien feuilleté, mais euh, je pense que voilà, on est encore sur un... Bon, on, a un peu, on est dans, le même, dans, la même, dans la même optique, hein. c'est vraiment euh, magnifique. Elle est vraiment très, très, très inspirante, Caro, euh, Caroline Millet, j'adore ce qu'elle fait. Toujours pareil, on retrouve des recettes, voilà, on est vraiment... Euh, c'est vraiment un livre qui regorge un petit peu de tout. D'ailleurs, qui est assez difficile à trouver. Euh, parce que, en termes de classement, ce n'est pas évident de, de, bah de se dire que ce n'est pas un livre de cuisine. c'est pas un livre de peinture. Hein. Pourtant, c'est elle qui fait les, les illustrations. Ça parle de nature, ça parle de, de, de lecture, ça parle de film en fonction de la saison. Donc, c'est vrai que ce sont des livres pas facilement. Euh, euh, que l'on peut trouver facilement en fait euh, en, en, au niveau du thème. Donc là c'est cool parce qu'ils étaient euh, ma sœur les a trouvés chez Cultura à, à Monteville, à côté de Caen. Et du coup c'est chouette parce qu'ils étaient sur l'étal euh, avec tous les, les, toutes les choses de Noël. Donc ça c'est vraiment chouette. En plus euh, elle m'a offert euh, la nouvelle édition parce que Caro a refait l'édition avec voilà on voit l'écran les dorures euh, un petit peu en relief au niveau de, des livres. Donc, vous voyez, là aussi, on voit. Oh, c'est chouette. Donc, euh, je suis super contente. Avec une jolie tranche également. Donc, euh, c'est top, top, top. Donc, voilà. Donc, je, voulais vous, je voulais en profiter pour vous les montrer parce que, voilà, ça fait aussi partie des, de, des livres de Noël. Hein. Mon, mon, mon magazine Pose, c'est pareil. Pour moi, c'est comme un, le petit auto-cadeau que je me suis fait parce que c'est un livre qui. Qui est vraiment très bien fait, qui est très très beau. Enfin voilà, c'est pas un livre qu'on qu jette dans un coin. Et voilà, il est vraiment très très beau. Il y a de très belles illustrations dedans également. Et du coup, voilà, il était important que, que je vous parle de tous, mes de tous mes beaux ouvrages. Voilà, bon, en termes de tricot, c'est parti, je vous montre. Alors là, je suis trop 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 contente. Allez, c'est parti, je vous montre pourquoi. <laughs> vous allez vite deviner. Tada! J'ai fini la manche de mon pull, Calisson. La manche gauche. Donc, bien évidemment, il me reste la droite à faire. Mais la manche gauche est terminée. Quand je vous ai quitté la dernière fois, j'en étais là. J'ai laissé le Progress skipper exprès. Bon, bah, vous voyez, hein, j'ai quand même bien travaillé. Donc, il me reste évidemment à rentrer les fils et de le bloquer. Mais franchement, on est. Euh... Oh, j'ai super bien avancé. Je suis vraiment très, 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 très contente. Hier, je l'ai passé pour voir parce que, du coup, au niveau des manches, euh, c'est une laine qui se détend beaucoup au lavage. Euh, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'arrête avant euh, les centimètres préconisés. Loli l'a fait, préconise de euh, tricoter 45 cm en dessous de l'emmanchure, euh, 45 cm, faire les diminutions. J'ai un rang de diminution avant de finir avec un eye cord. Bon, moi j'ai pas fait cord, j'ai fait des côtes. J'ai préféré faire des, des petites côtes. Voilà, j'aime bien. Et euh, je me suis dit si le pull, la laine se détend beaucoup au lavage, je vais peut-être galérer. Du coup je me suis dit ce serait peut-être mieux d'arrêter avant. Et puis on verra au blocage au pire. Parce que quand je l'ai essayé, le pull déjà il m'arrivait euh, ouais, euh, au bon milieu de l'avant-bras. Bon, je me suis dit, je refais 7 cm de plus et après j'arrête. Donc moi, je me suis arrêtée à 40 cm. Donc jusque-là, 40 cm. J'ai fait mon rang de diminution et j'ai fait environ 2 cm, 2 cm5 de côte de 2. Voilà. Euh, je ne l'ai pas passé, mais euh, je pense que ça, ça doit le faire. Hein. Je l'ai mis hier et vraiment, ça, ça, allait, ça allait vraiment très bien. Bon, là, par contre, avec la, la luminosité pourrie, euh, clairement, on ne voit pas bien. Je ne suis pas... Je suis pas ravie, mais bon. Euh, donc je suis contente. Donc ce soir, je vais enlever le Scooby-Doo et je vais venir remettre mon câble sur la manche et je vais sûrement commencer à, à tricoter la manche. Bon, quand je l'ai passé hier, mon homme m'a quand même dit, donc je, je lui ai montré, je le passe. Alors évidemment, il n'est pas lavé ni bloqué, mais je le passe et tout, impeccable, donc il bah, va falloir que je tire un petit peu aussi hein, au niveau de la, de la longueur. Il me dit, mais c'est quoi là le petit truc Et effectivement, hein, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, on le voit encore. Hein, les raccords, vous savez, dans la pelote que j'ai eu, hein, les petites déconvenues, bon ben bah, voilà, hein, on les voit quand même. Donc euh, on verra bien, je vais essayer de lisser un maximum au niveau du, du lavage et du blocage. Je crains que ça se voie quand même pas mal. c'est vrai que c'est un pull qui, qui va avoir des défauts parce que voilà, j'ai pas non plus un tricot parfait. C'est du fait maison, c'est du fait main, mais voilà, hein, c'est pas du tricot parfait. Et euh, bah, clairement, ça va se voir. Donc ça, c'est un peu dommage. Je suis un peu... Bon, on verra bien, on verra bien. Pareil, je me suis rendu compte, j'ai fait les manches en Magic Loop, et sur le rang euh, de Magic Loop, eh bien, on voit quand même que la laine a tendance à boulocher. Donc je pense que euh, au niveau des frottements, ça risque de boulocher pas mal. Donc bon, je ferai le nécessaire, c'est pas grave. Hein, en même temps, c'est de la laine, les matières nobles ont tendance à boulocher et c'est normal. Donc euh, bon, voilà, on va pas, je, je ferai, euh, je ferai bien attention. Donc voilà, voilà où j'en suis. Donc on est sur un projet presque terminé, les gars, presque terminé. Je suis très 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 contente. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin. Je vous montre mon deuxième en cours. Euh, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup avancé sur mon gilet euh, Morgane. Je, je vous avais montré, j'avais fait un rang raccourci, j'avais fait le côté gauche et là j'ai fait le côté droit. Donc c'est pas énorme. Euh, je vous le remontrerai la prochaine fois. Surtout que là maintenant il faut que je fasse environ 16 cm de rang de demi-côte de, de demi anglaise. Donc euh, je pense que je vous le montrerai bien avancé plus tôt. Là franchement il y a juste un... Le côté droit qui, qui a été avancé, c'est tout. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Cependant, j'ai avancé sur ma chaussette, ma chaussette Foxy's Day Outsock, voilà, de Charlotte Stone que j'adore, j'adore. Donc j'ai fait le talon, un talon en rang raccourci. Donc va falloir que je revoie un endroit hein, parce que je vais avoir euh, des raccords à faire. Bah de toute façon, on voit hein, là. Il y a un giga trou, euh, les, comme il y a eu changement de couleur, etc., va falloir que, que je vienne jouer du. Que je vienne jouer du fil, hein, très clairement. Mais bon, c'est pas grave. Euh, bah écoutez, je suis très contente. Euh, j'ai fait ça hier, tranquillement. Et je, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé les rangs de petits points. La dernière fois, je m'étais arrêtée juste en dessous des sapins. Donc hier, j'ai fait tout ça, plus... Voilà, là, le talon. Donc, vous voyez, c'est vraiment super chouette. On entend les ados hein, qui jouent derrière. Et là, voilà, je reprends également les petits points sur l'envers de la chaussette, euh, sur la voûte plantaire, si vous voulez. Donc, je vais faire ça tout le long jusqu'à la pointe. Et la pointe, je la ferai de cette couleur-ci également. Voilà, voilà où j'en suis dans mes chaussettes. Donc, là, j'en ai fait qu'une, évidemment. Je vais avoir la deuxième à faire dans la foulée. Euh, hier soir, je me suis dit, j'espère que mon ami n'a pas le pied fort parce que, euh, effectivement, le jacquard, quand même, j'ai vraiment tendance à le serrer quand même pas mal. Euh, et du coup, je me suis dit, oups, donc j'ai essayé la chaussette. Je me suis dit que là, fallait quand même clairement que, que j'essaie pour voir. Bon, mon pied passe de justesse, j'ai fait une taille au-dessus. Que ma taille à moi, euh, ma copine fait du 38, moi je fais du 37, donc je n'ai pas fait euh, combien je fais d'habitude 60 mailles Je crois que c'est so oui, c'est 60 mailles que je fais. Là j'ai fait 64 mailles plus les augmentations qu'on refait en dessous les côtes. Donc là je dois, je suis à 76, je crois, je crois que c'est ça. Je me souviens plus, faudrait que je regarde dans mon patron. Et eh ben même en ayant augmenté d'une taille, euh, euh, moi je c'est pile poil. Moi je, je passe pile poil. Si j'ai les pieds euh, un peu, vous savez, humides, un peu moites, ça va être compliqué à les mettre. Mais si j'ai le pied bien sec, nickel. J'espère juste que mon amie a les pieds comme moi, parce que si elle a le pied fort, c'est sûr, ça passe pas. Donc écoutez, je continue de les tricoter. Si au pire ça ne lui va pas, et eh ben c'est pas grave, je les garderai pour moi et je lui retricoterai des chaussettes classiques style autorayante. Voilà où il n'y a pas de jersey. Au moins, je suis sûre de pas me planter sur la taille. Euh, j'ai des j'ai des pelotes gommis qui me restent aussi. Donc euh, voilà, hein, c'est le geste. Hein. Elle était tellement contente que je lui fasse des chaussettes que voilà le modèle. Après, évidemment, elle adorait. Hein. Mais euh, voilà, euh, là, si ça passe pas, euh, je vais être bloquée. J'espère que ça va lui aller. Vous pouvez pas vous imaginer comment ça me stresse. Quand on offre un cadeau, on aime bien quand c'est quand c'est tip top, quoi, forcément. Donc voilà, donc du coup, ben, écoutez, on verra bien. En tout cas, euh... ah, on voit bien là. Euh, moi, je suis très contente. C'est super joli. Mon combo de couleurs me plaît beaucoup. Et euh, voilà, donc, euh... donc j'espère qu'elles iront à mon ami. De tous les cas, en tous les cas, c'est certain, je les ferai pour moi aussi. Est-ce que je les referai dans cette couleur ben, Je ne sais pas trop. Ça, je ne sais pas trop. Peut-être que je les referai, mais moi, avec un fond blanc. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir parce que ben, là aussi, c'est pas mal quand même. Donc euh, bah, je sais pas, on verra. Donc voilà, voilà où j'en suis dans mes projets. Donc je vous dis le gilet Morgan, je vous le remontrerai une prochaine fois. Euh, voilà, tout simplement. Donc j'ai bien avancé. Finalement, j'ai vraiment pas mal tricoté le soir de Noël parce que tout le monde était déjà parti, hein, tout le monde était fatigué. Donc tout le monde est parti, donc j'ai beaucoup tricoté. Euh, puis c'est vrai qu'en ce moment, ben, on se couche un petit peu tard, on profite un petit peu. Et euh, bah, je tricote du coup pas mal. Hier il a fait moche toute la journée, j'avais pas besoin de sortir, donc pareil j'ai passé du temps à tricoter, tricoter et euh, bah c'était plutôt cool. Voilà, voilà euh, le vlog va se terminer ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai été super contente de vloguer euh, pour vous. C'est toujours un, un réel plaisir, hein. je me répète à chaque fois, mais vraiment euh, c'est super cool. Euh, J'adore vous partager mes tricots, ça me motive en plus parce que je me dis, mais mince, la dernière fois je leur ai montré ça, euh, faut que j'avance. Enfin, c'est chouette, vraiment, c'est super chouette. Euh, merci pour votre fidélité. Un grand, grand, grand merci euh, de Mélanie des Aigus aventurières qui m'a fait un petit clin d'œil dans un de ses vlogmas. Euh, franchement, je m'y attendais pas du tout. En plus. Je regardais le vlogmas et tout. Alors, vous pouvez aller la voir. Hein. C'est la chaîne de, des aiguilles aventurières. Euh, et <laughs> je regardais le vlogmas. Et là, elle, elle s'est mise à parler de podcasteuses, etc. Et là, elle parle de moi. Je suis restée bête. J'ai même arrêté l'ordinateur. Je dis à mon mari Écoute, écoute, regarde, on parle de moi. J'étais trop contente. Et puis, bah, c'est super sympa parce que du coup, euh, bah, le partage comme ça m'a ça, euh, fait venir euh, pas mal de nouvelles personnes qui ont découvert ma chaîne et du coup, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, Mélanie, si tu passes par là, je t'embrasse et un grand merci à toi. C'est génial, c'est adorable. Voilà, voilà. Euh, D'ailleurs, je suis vraiment ravie. Franchement, ces Vlogmas, c'était vraiment génial. J'ai un peu la nostalgie. Là, c'est fini, il n'y en a plus tous les jours. Alors elle va refaire quelques vlogmas encore jusqu'au 31, mais euh, je me dis mais en fait c'est trop bien des, des vlogs tous les jours, c'est super sympa sur des petites portions de temps quoi, 10-15 minutes, c'est top quoi. Donc euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment génial. Du coup des fois je me dis mais peut-être que moi aussi je pourrais faire des vlogtober ou des alors des vlogmas, je sais pas trop parce que c'est la période où on... où c'est plus chaud, mais enfin quoi que je sais pas, faudrait voir. Peut-être pas tous les jours, mais pourquoi pas tous les deux jours À réfléchir. Peut-être que, on verra. Je sais qu'en mai il y a aussi pas mal de, de vlogs aussi, des fois tous les, tous les jours. En mai, on s'y met, je crois que c'est ça. Donc peut-être que ça pourrait être, être pas mal. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse. Il est temps pour moi de finir le montage de cette vidéo et de vous la poster dans la foulée. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez besoin d'informations. Moi je vous mets tout en description comme d'habitude et sur mes fiches Ravelry. Voilà je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année et je vous...